c'est un début, c'est la cérémonie d'initiation elle-même. Et il va de soi que c'est théâtralisé pour qu'on s'en souvienne. Moi, je l'ai initié fin 84, je m'en souviens comme d'hier. Mais c'est également un processus parce que il ne faut pas considérer que quand on a été initié à une date précise, on peut rester initié si on ne participe pas aux travaux de la loge. C'est un processus parce que si on ne participe pas de manière régulière et si on a un simple consommateur de réunions amicales, si on ne contribue pas au développement de sa loge, si on n'essaie pas de travailler avec ses frères, ben à ce moment-là, ce processus est un processus manqué. Autrement dit, je considère que l'entrée est importante, mais le fait de travailler une fois qu'on est rentré, et c'est-à-dire s'engager dans ce processus de transformation, c'est aussi important que d'être initié à une date précise. Et je crois que c'est un processus qui peut éventuellement, malheureusement, se terminer par une fin, puisque la dernière grande initiation, c'est le moment où la lumière de la vie s'éteint et où la lumière éternelle de l'Orient s'allume. Voilà pourquoi ça peut être un processus. Il a été effectivement laïcisé au début du XXe siècle. D'abord, le terme de testament philosophique, ça me gêne, la notion philosophique. Mais bon, on ne va pas épiloguer. Mais initialement, et j'ai les textes encore, c'était en qui faites-vous confiance? Dieu. Le rapport avec les autres hommes. Et puis avec soi-même. Et effectivement, ça a changé. On a un testament philosophique, je dirais soft. Tout simplement parce que au moment de la fin du 19e siècle, on a déchristianisé, comme on le marque, tout ce qui avait un trait avec une religion quelconque. Voilà, c'est pour ça. En tant que principe créateur, force supérieure ou créateur suprême, je fais tout simplement allusion aux trois textes du convent de Lausanne où le grand architecte est nommé de cette manière. Or, c'est tout à fait intéressant de le nommer de cette manière parce que l'idée de créateur suprême peut convenir à un frère qui est croyant et qui souhaite rester dans le cadre de sa religion. Il a une foi, elle n'est en aucun cas contestée en Grande Loge de France, même si, la pratique initiatique n'a rien à voir avec celle d'une religion. L'idée de force supérieure peut convenir à un agnostique et l'idée de principe créateur qui a été retenue par la Grande Loge de France, c'est l'idée du déisme philosophique où le divin, je dis bien le divin et non pas le dieu d'une religion particulière ou d'un monothéisme particulier, où le divin est considéré comme une dimension essentielle de la vie des êtres humains, même si le divin ne fait l'objet d'aucun culte dans le cadre des loges et des tenues que nous pratiquons à la Grande Loge de France. Donc, lorsque je dis, et où l'apprenti qui nous interroge dit, alors c'est comme une Sainte Trinité, ça n'a rien à voir avec une Sainte Trinité, car la Sainte Trinité, faut-il le rappeler, je le fais très brièvement, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et le Fils, c'est le Christ, c'est-à-dire le Verbe de Dieu, l'agneau de Dieu. Nous n'avons rien à voir avec cela. Donc, ces trois définitions sont trois définitions opérantes et opérables en fonction de la sensibilité de chacun. En tout cas, le convent de Lausanne nous permet de le faire. Mais moi, je me base sur la tradition initiatique et le rite écossais ancien et accepté fait partie de ces traditions. De tout temps, c'était, alors que ce soit en Angleterre ou en France, le volume de la loi sacrée, c'était la Sainte Bible. En Angleterre, la Bible en France. On prêtait toujours serment sur ce livre et puis. Il figurait sur l'autel des serments. De mettre un livre blanc, ça m'était arrivé lorsque je faisais les inspections de loge, j'avais une loge, et Alain la connaît, où ils avaient un livre blanc. J'ai dit, mettez au moins un iode, mettez quelque chose de constructif, mais rien, vous ne pouvez rien construire sur rien, puisqu'il n'y a rien. Voilà.
C'est tout. Donc, le volume de la loi sacrée, comme on le marque dans le livre, c'est bien, d'abord, c'est un volume de la loi morale, la règle, et puis ça a une valeur également de l'ensemble de la tradition humaine. Lorsqu'on discute avec des frères qui disent « Ah, mais moi, je préfère prêter serment sur un livre blanc parce que c'est le signe de ma liberté », eh bien, je pense que c'est l'affirmation d'une liberté totalement défensive, car c'est une liberté qui refuse de se confronter à un texte qu'elle a le droit, cette liberté, de traiter et d'interpréter de manière herméneutique. Et le fait que nous ouvrions notre volume de la loi sacrée au prologue de Jean signifie que nous pouvons aborder le prologue de Jean en franc-maçon sans nous enfermer dans les expressions et l'herméneutique dogmatique d'une religion particulière. Je préfère donc me confronter à un texte librement plutôt que de me confronter à une page blanche. La première fois, ce n'est pas le profane qui demande la lumière. Bien C'est sûr. le frère expert qui la demande pour lui. De quelle lumière s'agit-il? Il s'agit à ce moment-là uniquement de la lumière naturelle, c'est-à-dire l'humaine de nos journées, c'est-à-dire il ne s'agit pas d'une lumière initiatique. Et lorsque le profane sort une première fois et revient et qu'il a à nouveau le bandeau, mais cette fois pour être initié définitivement, ce n'est plus le frère expert qui demande la lumière pour lui. Car le profane a commencé dans le cadre de son initiation à accueillir une autonomie qui fait que le frère expert dit au vénérable maître, c'est le profane qui demande la lumière. Dans ce cas-là, ce n'est pas le flux lumineux et les lumens, c'est lux, c'est-à-dire la lumière initiatique. Autrement dit, la première et la deuxième lumière ne sont pas les mêmes. La première est une lumière naturelle et la seconde est une lumière initiatique. Le frère présentateur, c'est celui qui est garant du profane, qu'il va présenter à la loge. Il est garant vis-à-vis de la loge à qui il présente ce profane, mais il est également garant ou responsable de la vie maçonnique de ce profane qui va être initié. Et donc, il va être à ses côtés pour le guider dans cette transmission, justement. Mais justement, il est le garant vis-à-vis de la loge, notamment par rapport au second surveillant qui va faire les premières instructions et du premier surveillant. Il y a une question assez récurrente qui est, est-ce que tous les frères s'occupent de présenter des profanes? La réponse est non. Je dirais que Pareto se vérifie aussi en maçonnerie. Ce sont 20 à 30% des frères, enfin 2 ou 3 sur 10 éventuellement, ce qui peut faire une dizaine hein, dans une loge de 30, mais ce sont 20% ou 30% des frères qui généralement sont les plus actifs en matière de présentation. Les autres étant parfois moins actifs, mais pour des raisons que, à titre personnel, moi je peux comprendre, certains, pour des raisons professionnelles, ne veulent pas exposer leur identité parce qu'ils considèrent, à tort ou à raison, que cela peut leur nuire sur le plan professionnel. Je dirais que ceux qui sont très actifs continuent de le faire et soient peut-être encore un peu plus actifs, et que ceux qui ne peuvent pas le faire pour des raisons diverses et variées, notamment professionnelles, eh bien ne le fassent pas, mais il est clair qu'il faut, dans une loge bien constituée, dynamique, qu'un certain nombre de frères prennent en charge la présentation de nouveaux profanes. Car une loge qui n'initie pas 3 à 5 profanes par an, 3 à 5 profanes par an, comme les gens et les frères vieillissent, comme certains changent de région pour des raisons professionnelles, comme certains changent de région pour la retraite, etc. Une loge qui n'initie pas 3 à 5 profanes par an, c'est une loge qui, à terme, peut avoir des problèmes de fonctionnement. Voilà, donc je pense que c'est quelque chose d'important d'ouvrir et puis d'intéresser des profanes avec des présentations actives. Eh bien, Alain et Michel, merci pour vos réponses pertinentes. Bravo pour cet ouvrage qui est un Merci. véritable outil pour aussi bien pour les apprentis qui viennent d'arriver que pour leurs surveillants et pourquoi pas pour certains maîtres qui pourraient aussi se charger de la transmission.